Media. Jean-Luc, bonjour. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer donc ce qu'est aujourd'hui le Salon Avicole de Forbach? Le Salon Avicole de Forbach, c'est une exposition annuelle, normalement, qui se tient toujours le troisième dimanche du mois d'octobre. Cette année, il a pu se tenir. L'année dernière, cause Covid, on n'avait pas le droit d'accueillir du... Pendant deux ans, on n'a pas eu le droit. Cette association des agriculteurs présente le fruit du travail d'une année d'élevage. D'accord. C'est-à-dire aussi bien en lapin qu'en volaille qu'en pigeon. D'accord. Quand je dis volaille, volaille, ça peut être poule, coq, canard, roi. D'accord. Ici, aujourd'hui, on présente des canards, on présente des poules, on présente des lapins et on présente des pigeons. D'accord. Cette association a fêté en 2018, c'est 120 ans d'existence. C'est la deuxième association la plus âgée de Forbach, après la chorale Concordia. D'accord. C'est eux l'association la plus âgée. D'accord. Donc là, ces expositions que vous faites, on peut les acheter ces animaux ou alors ils sont juste exposés pour le travail? Alors ils sont exposés normalement pas pour... Il y a des ventes, oui. Mais c'est surtout des ventes entre amateurs qui élèvent la même race. Et ils cherchent de nouveaux géniteurs. D'accord. Pour améliorer leur souche ou pour... Parce que l'objet, c'est une histoire de beauté. D'accord. Il y a un standard et ils doivent être le plus conformes possible au standard. D'accord, très bien. Je vous remercie pour ces quelques précisions et on espère l'année prochaine. Voilà, à l'année prochaine. Merci. Merci, au revoir. Going home, it's six in the morning.